m'appelle Arthur, j'ai 30 ans, je suis originaire du Congo et français. Je vais vous raconter avant ce que je faisais. J'avais une association, Me met un diamant. Elle avait objectif de faire un pont entre les sourds, le monde des sourds et des entendants. On sensibilisait dans les rues les gens, on les sensibilisait à la langue des signes. C'était bien. Après, j'ai réfléchi, je suis partie en Afrique, au Congo, avec un ami, tous les deux. On a rencontré beaucoup de sourds qui travaillaient dans les rues, qui vendaient des petites bricoles. On les rencontrait, on discutait avec eux. C'était vraiment la misère. Ils gagnaient $1 par jour. Et en fait, à chaque fois, ils rencontraient des murs. À cause de leur surdité, les patrons ne voulaient pas les embaucher parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas intelligents. Alors qu'en France, il y a des sourds qui sont même dentistes. Et quand il est retourné en France, j'ai créé un restaurant. Et donc du coup, je vais vous le présenter, venez voir. Mon restaurant, je l'ai ouvert il y a un mois. Je suis vraiment content. Donc c'est Furaha. Pourquoi Furaha? Parce que tout à l'heure je vous ai expliqué que je suis allée en Afrique. Les gens, même si les sourds étaient pauvres et ils avaient toujours un sens positif, le sourire. Et donc du coup c'est pour ça qu'il a choisi la joie en Swahili, donc Furaha. Et il a ajouté le mot break. Ici, on propose uniquement des produits naturels et vegan et bio. Donc ça, ce sont des croissants. Et je vous avoue que je les préfère. Ceux-là, ils sont plus légers, même dedans, il n'y a même pas de beurre, ni de lait, et bien sûr pas d'œufs. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment délicieux. Ce sont nos boissons, elles sont toutes bio également. On vous prépare des cocktails faits maison. Par exemple, celle-ci, c'est la citronnade qu'on fait nous-mêmes. Donc ça, c'est nos menus. Dans nos menus, les hamburgers, le pita, il y a toujours beaucoup d'alternatives. Par exemple, le fromage fondu, c'est du faux fromage bien sûr, et on sent vraiment un goût agréable. Et les gens, même vegan, viennent et sont quand même satisfaits. Donc pour moi, c'est vraiment un défi réussi. Aussi ici, on utilise un maximum de matériaux recyclés. Par exemple, les pailles, elles sont en papier. C'est bien pourquoi? Parce que il y a beaucoup de vidéos sur les tortues, par exemple, qui sont bloquées avec des pailles dans le nez. C'est vraiment choquant. Alors moi, même si c'est plus cher, j'accepte quand même de faire la démarche et d'acheter des pailles en papier. Aussi, je vous propose aussi des bonbons vegan et bio.
des sucettes. On propose des plats froids déjà prêts. Tout est vegan. Par exemple, dans le sandwich, la tranche, c'est du tofu fumé. Par exemple, on utilise du tofu au pesto. Je vais vous montrer un petit coup la cuisine. C'est bien, c'est parfait. C'est bon, t'as fini de préparer. Il y a un client qui a commandé un burger, tu l'as fait? Oui. Ça s'appelle le burger suprême. Depuis que j'ai créé mon premier restaurant, Fura, à Maison Alfort, j'ai testé le concept, c'était vraiment satisfaisant. Ça m'a donné confiance en moi. J'ai décidé de venir à Paris parce que c'est plus accessible pour tout le monde. Ça fait un mois qu'on est ouvert. Le bilan est satisfaisant aussi. Les gens sont satisfaits. Et j'ai pour projet de développer des franchises Fura Express. On se voit bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook ou Instagram pour plus d'informations. Merci, à bientôt, au revoir.